Le continent africain frôle la barre du millier de cas de Covid-19 enregistrés depuis la fin du pèlerinage. L'affluence des voyages sans contrôle et sans mesure de protection favorise l'augmentation des cas de contamination. Comme bien d'autres pays qui ont instauré des mesures de sécurité d'urgence, le Gabon s'est mis au pas en effectuant quelques tests de diagnostic rapide sur ses voyageurs provenant de la Mecque. Pour l'heure, seuls les cas de grippe saisonnière ont été enregistrés. Mais pour le ministère gabonais de la Santé, il vaut mieux ne pas être surpris par la maladie. De la sortie le 27 juin d'un communiqué de presse qui appelle à la vigilance de la population et au retour et à l'application de certains gestes barrières qui sont déjà très familiers à la population. À noter également que le gouvernement, par le biais du ministère de la Santé, a décidé de renforcer le dispositif de surveillance épidémiologique, des opérations systématiques de dépistage et de prise en charge immédiate de cas avérés. Le cas échéant de toutes les personnes en provenance des zones à risque et aux portes d'entrée aéroportuaires et terrestres, afin de s'assurer que la maladie ne puisse pas franchir le territoire. Il est tout de même rappelé aux usagers de ne pas oublier la pratique des gestes barrières tels que le port du masque en cas de grippe ou encore de procéder à la désinfection des mains à chaque fois que l'occasion se présente. Le ministère de la Santé tient à rappeler aux usagers que toute autre information particulière préoccupante fera l'objet d'une information formelle.